Grâce à Dieu, parce que cette administration, ces agents, ça c'est le peuple qui a parlé. Quand j'ai géré l'Assemblée nationale, ils savent que j'avais multiplié les salaires par 10. Ils savent que tous les directeurs étaient véhiculés, les secrétaires généraux. Je viens de le faire au ministère de l'économie. Je l'avais fait partout où je suis passé. Je travaille pour le peuple, tout en mettant au centre de mon action mes prérogatives comme ministre de l'économie maintenant. Et maintenant, je suis député, je vais défendre la voix du peuple, les désirateurs du peuple. Je remercie le bon Dieu. Le chef de l'État attend beaucoup de cette Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez apporter avec le député national? Non, nous n'avons pas attendu. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et deux, au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux. Parce que ma conscience est tranquille. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde, j'aime le Congo. Et ils doivent savoir une chose. Les postes de Premier ministre, comme les postes de président de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien du tout. Thank you.